Salut tout le monde, Samuel de Gilles, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnamod. Je suis à l'endroit où nous avions travaillé sur Botania. J'ai dégagé la zone, hein. Tout est propre, tout est nickel. J'ai juste gardé le portail ici et les petites machines ici automatiques. Cette partie-là sera entièrement refaite, évidemment. On va essayer d'automatiser la récolte de mana et puis surtout le stockage, parce qu'il va falloir qu'on trouve un moyen de stocker la mana. Et on essaiera de trouver quelques automatisations plus tard. Et on a surtout le boss à se faire aussi, ça faut pas l'oublier. Mais on va pas se faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé avec les copains de se faire l'Under Dragon. Et j'aimerais vous montrer un petit quelque chose. Voilà. J'ai 87 morts. Comment ça se fait? Eh ben, vous allez découvrir tout de suite. Et puis, on va voir juste après qu'est-ce qu'on peut faire. Bim! Bim! Je peux même pas te téléporter, c'est moche. Ouais, on peut pas, presque pas le taper. Là, normalement, tu peux. Je peux? Même pas. Faut que tu sois au sol. Ah si, ah non. Ok, bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve avec une petite cacophonie de ce coup-ci Phoenix et Cacao. C'est dégueulasse pour les oreilles. C'est dégueulasse pour les oreilles. Je peux même pas le toucher. Et Alkazim dort. Alkazim, ouais. Dafgai, pardon. Dort. Pardon oh, Alkazim, pardon Dafgai. C'est bien, ça fait une table. Bouge pas, ça fait une table. Là, on est tout autour de la table, tranquille. Voilà. Je suis une table. Ah, j'ai cru que c'était un lama. C'est déjà pas. Aujourd'hui, on a prévu de faire quoi? On a prévu de faire l'Under Dragon. Je pense qu'il va pas faire long feu. Et ce sera avant tout pour ouvrir l'End. Est-ce que vous êtes prêts à vous faire téléporter dans la salle que j'ai fait avec amour? Oui. Alors mettez-vous tous en sneak devant moi. À la queue leu-leu. En brochette. Ah. Mange. Sneak, sneaker, sneaker. Je veux que tout le monde sneak, ok? Hop. À la queue leu-leu. Ah merde! Y'en a un que j'ai pas téléporté! Oh. C'est qui? Bravo! C'est Wesley? Wesley. Non, tout le monde est là? Tout le monde est là, ouais. Ouais, je crois. Tout le monde est là, c'est bon? C'est très violet. Ah mince, j'en ai vu un à côté de moi qui était pas téléporté. Bon bah, du coup, c'est bon. J'aime beaucoup! Merci beaucoup, c'est gentil. Non, ouais, c'est super sympa. Classe. Du coup, on va mettre les yeux de l'End. Alors, j'en ai 64. Faites sans ce que vous voulez. Ah merde, j'ai mon chiant. Aimant. Oui, mon aimant, c'est un peu chiant. Voilà, j'en ai 9. Allez hop. La Phoenix. Ah, j'en ai, c'est bon. Tiens. Ah, ouais. Pardon, je l'ai mis en bas. Tiens. Ouais, 10. Ouais, j'en ai bien. Moi aussi. Moi aussi. Ah, moi. YOLO. Ah, bah, GG. Non. Pourquoi? Bon, bah, go. Bon, bah, go, hein. Et bah, allez, c'est parti. Le mec, il a aucun respect. Vraiment. Oula, 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 oula. Bon, heureusement qu'on vole tous, hein. Heureusement qu'on peut tous voler, c'est clair. Alors, est-ce que l'Under Dragon va être one shot? Ne pétez aucun cristal. Clairement pas, clairement pas. Alors attention, faut que je Cacao, vas-y, à toi de jouer, Cacao. Go. Cacao, à toi de jouer. Chargez. Par contre, vous approchez pas trop de Cacao parce que bon. Ah oui, alors il faut préciser que le dragon, c'est le dragon de Ender Dragon. Enfin de Expansion. Voilà, c'est ça. Tender Hardcore Expansion. Donc c'est un gros dragon. Ah, il pique! Ah, je freeze, putain! Ah, il pique, ouais, il pique un peu. Hein. Waouh! Oula, il pique la plainte. Va pas crever, les gars, hein! Les moi je vous laisse! regardez les piliers d'obsidienne! Oh mon dieu! Oh là là, les piliers sont KO, quoi! Viens là, la vache! Ah, c'est les. Ouais, moi je les vois apparemment, la cata. Daft! De, Daft! De Daft! Quoi? Viens là, descends, 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 descends! Viens, on est bien, Daft! Mais si je descends, il y a des noirs qui m'attaquent! Oh le raciste! Et c'est bon, c'est bon, c'est bon! J'espère juste qu'il va pas venir m'attaquer, faut juste que j'enlève. Moi je suis anti-régène. Mourir l'Ender Dragon. C'est moi qui l'ai eu! Oh le mec! Oh, je voulais te donner une armure super pétée! Je suis désolé! C'est pas possible du coup! J'y suis! Merci beaucoup! À moi, Draconium! À moi, d'un! Allez! Ouais! Qu'est-ce que c'est que ça? Le dragon essence! Le cœur, je pensais. Il est où? C'est moi. Qui c'est qui le veut? Moi, c'est moi qui le veux. Oh, j'ai des dragon essence. Tiens. Alors, les dragon essence sert à quoi? Merci. Moi aussi j'en ai eu. Ça sert à quoi? Ah yes. Parce que si elle m'a piqué le cœur. Ah ouais. Ça qui. Oui. Ça fait déjà achievement, non? Ouais, exact. On a tous achievement comme ça. Ça sert à rien le dragon essence. Tu veux la dragon essence, Cussy? Je sais pas. Je ramasse, hein. Je. Je sais pas à quoi ça sert, je ramasse. Alors qu'est-ce que c'est que ce liquide là? Un problème?
Oh, c'est du Ender Goo. J'ai de l'Ender Goo. Ah, ça se rebelle les fleurs. Death les Flower. Fleurs. Ouais, il y a des Death Flower. Pas défoncer ça. Où ça? C'est en haut. Sur les îles volantes. C'est quoi ce kid? De l'Ender Goo. Sur les îles volantes. Attends, je vois, j'arrive. Non, c'est oh, kid, ouais, c'est trop bien. C'est une poison 3 ah ouais, quand même. Ouais, sont ah ouais, sympa. Ah ouais? Poison, génial, ouais. Ah oh. Ça pique un peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alka? Kill a Dragon Claim. En tout cas, l'End est complètement dégueulasse. Hein. Ouais, ouais. C'est bien pété. Les tours, quand tu les pétais, t'as vu comme ça donnait, il y a tout qui s'effondrait. Attends, ouais, on va repéter un cristal pour regarder. Normalement, quand tu pètes un cristal, ça te pète la tour. Ouais, complète, il y a tout qui s'effondre. Autrement, on peut refaire les fesses à un dragon, on peut le raise, vite fait. Faut le repop. Hein. J'ai pas de quoi le faire repop tout de suite là. Ou alors, on va en chercher un peu. Te manque quoi? Ah, il me manque quoi? Il me manque des millions et des millions d'RF à charger dans des blocs de draconium. Eh bah, je te fais ça. Oui, mais tu peux pas le faire en un claquement de doigts, là on va perdre trop de temps. Non, mais sinon, le beau jeu c'est d'aller à 10 000 blocs d'ici. Putain. Allez. Ah, vache. Le Nord. Ah, j'ai une tête de Norman. Bon, on fait ça, les copains? Moi, je suis chaud. Ender Goo, ça fait des bulles. En ouais, fait des bulles. Alors, attends. J'ai vu des ruches, moi, tout à l'heure, il y en avait pas. Alors, des ruches. Moi j'en ai déjà une Daft. J'en ai vu une. Daft, je suis là. Jacuzzi avec Daft, laisse-le. Non, Daft, si on va faire l'autre dragon, il faut que tu portes ça, sinon tu vas te faire rect. Porte Daft, le soumis. Merci. Comment ça, le soumis? Non, mais oh. Le pauvre qui se maltraitait par des petits Enderman. T'as un problème, toi? Alors, par contre, fais gaffe parce que l'armure, elle est spéciale à commander. Aïe, oh. Non, tu vas tellement loin. T'inquiète, tu prends pas de dommage. T'es où, Clint? Je suis là. Ah, puis t'as plus besoin de ton delta plane. Tu vas beaucoup plus vite sans si jamais Daft. Ah ouais. Par contre, ouais. Quand t'es dans les airs, si tu sneak, tu descends direct. Hein. Donc fais gaffe de pas faire ça au-dessus du vide. Je suis. Et vous êtes où? Flash. Toujours la base. Est-ce que j'ai les achievements? T'as poison? Des Ender Lily, il y en a plein. C'est des trucs qui piquent. Non. Oh, pardon. Mais... Excuse. Ah, ouais. Ah, mais... Oui. Tiens, Clint. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, oh, merci. Ah, oui. Oui. Encore un achievement. Pour récupérer un minerai par terre. Ah oui, t'as eu des abeilles là. Trop bien. Des aragoises, tu. Ah ouais, il y a des... Ah, ouais. Ah merde, j'ai ramassé. Oh. Ouh. Ça, faut que je les mette dans mon sac parce que... Ah, ouais. Ça peut être pas mal, ça. Oh, je suis full, quoi. T'as pas des golden bags? C'est quoi le bloc que vous avez chopé pour ça? Si, j'en ai un, mais il est full. C'est le End Powder Stone. Ah bah merci. Il y a ça. Ouais. Ouais, j'en ai aussi un si jamais... Ça peut faire des trucs sympas, ça, à mon avis. Bon, du coup, on avait dit qu'on allait plein nord, c'est ça? Vers le nord. Vers le nord, c'est 10 000 blocs, c'est ça? Vous êtes prêts? Allez, go! On le fout en PLS, c'est sérieux. Comment vous allez si vite? Faut juste. Bon. Voilà, non, faut juste sauter un tout petit peu. tu vas apprendre à t'en servir. Par contre, fais vraiment gaffe de pas sneak au-dessus du vide. Ah, moi, la mienne, elle va pas aussi vite. Hein. Oh, on va t'attendre. On va t'attendre. Ouais, ouais. Non, c'est de l'Ender Goo. Ah, de l'Ender Goo. Ah, ça coule! Oh! C'est quoi ça? Oui, ça coule. Il faut aller à 10 000. Oh, c'est loin. C'est vrai que même en allant vite, c'est loin. C'est quoi ça? Par contre, on risque de se faire rect. Hein. Oh, shortcut. Attends de mettre un TP. Apparemment, c'est un téléportation. Oh là, je viens de l'activer. Quelqu'un a un TP? Je viens de l'activer. Ah. Ah non, j'ai pas mis de TP quoi, au portail. Phalérite, c'est quoi ça? Je retourne au portail pour mettre un point de téléportation. Quoi que tu me diras, je peux retourner dans le dans directement l'overworld, dans l'overworld. Oui. Bah oui. Oui. Oh. Sont où les autres gens? Vous allez continuer au nord? Ouais, vers le nord. Vers le nord. Ok. J'ai trouvé de la phalérite. Donc je peux aller là. C'est ouais, quoi, travel. Ça. Ok. Ah, oh, elle est sympa la tour. Je pose the Ender Eye. Je sais pas ce que c'est ça. On est en 0-0 quand on a attaqué. Ouais, c'est un mob. Ah, oh, c'est un boss. Ouais, c'est un boss. Vous êtes où? Derrière? Oh, ce tour, j'avoue! Zappo the Ender Eye. Oh! Tu vas mourir, oui? Eh, tu vas mourir? Ah, ça lag. Ça lag un peu, ouais, quand on lui donne des coups. Non, mais le lag, c'est nous, hein, on est en train de générer. Ouais. Par contre, il est trop bien, ce tour!
Eh ? Je crois que j'ai vu quelque chose sur Jour Map, ouais. C'est quoi ? Moi aussi j'ai vu quelque chose là. Une cour ? Un truc dans. Je sais pas. Arrête! Viens voir, vraiment. Oh, oh, oh! Y'a un truc c'est quoi là. Ce under truc là, comme vous disiez? Ah merde, je suis en train de le pousser. Oh là, j'ai... Oh là, j'ai nausé! Oh, moi aussi! Oh là, oui, y'a des effets de particules et tout. Oh putain! On peut le tuer? Oh waouh! Attends, je descends. J'ai tellement peur. Oh, c'est beau! C'est magnifique! Oh! Un under expansion? Ouais. Tiens, viens, y'a un trou là. C'est un donjon. On se le fait? Attends, y'a encore en haut l'autre. Chaos. Waouh, c'est trop bien ce tour. Tiens, mourir. Tiens, mourir. C'est blindé de spoilers, faut pas aller dedans. Ah bah c'est dans ce tour là que je suis moi aussi. Aïe, il y a 50 000 spawners et Enderman. Garde-le en waypoint. Je te le fais descendre vers toi. Je vais même faire un peu. Je le fais descendre là. Vu la distance où on est. Non non, mais biome compas. C'est waypoint, c'est waypoint Draco. Ah oui, bah oui. Ouais, il est mort. Oh, un cœur jaune. Non, bah GG. Du coup, il drop quoi? Ouais, un Ender, un Eye of the Ender et un Epic Shader Greg Bag. D'accord. J'ai une Ender Pearl avec Freeze et Double Speed. T'es descendu ? Ouais, y'a des trucs dans le coffre. Ah ouais. Une Ender Pearl, Freeze. Excellent. Ouais, j'ai la même chose. Des œufs d'Enderman, on peut se faire spawner des Enderman. Putain, trop bien. Biome Compass. Ah, ça peut être utile si on veut aller quelque part, je pense. Je vais regarder. Ouais, moi j'ai ça aussi. Bon, bah je vais essayer de le buter, hein. Aïe! Tiens, regarde. Aïe! Quand tu fais clic droit avec le compas, ça te permet de voir. Mais meurs! Ça te change de couleur en fait. Oula, 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 oula! Ah ouais, il est violent le boss. C'est lequel le boss avec la tête là? Pas enfin, l'œil? Aïe, ouais. Y'a quoi dans le dispenser? Y'a rien. Aïe! Mais meurs! Chien! Des Ender, des têtes d'Enderman différentes. Ouais, il y en a plusieurs différents. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Qui est vers moi, Daft? Ouais. Moi, je te regarde, j'approche pas. Aide-moi à le tuer. Ouais, il y a une table d'enchantement et tout. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu veux que je te donne une rapière? Il est où? Il est où? Je le vois plus. Ah, il est là-bas. C'est bizarre. Il est là devant moi. Ouais. Il y en a encore un là. Ouais, mais. Ouais. Ah, c'est tout. J'ai l'impression que tout un certain nombre de blocs, il y a un truc comme ça. C'est bizarre. Bizarre. Ouais, je sais pas. C'est pas des particules. Attends, c'est peut-être en dessous. Attends, je vais essayer de le ramener vers la tour. J'ai... Ah, non, oui. J'ai pas l'impression. Un autre point de TP. Il est là. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas qui meurt en l'air en fait. C'est ça qui m'embête. Ouais, c'est chelou ça. Mais c'est stylé. Ouais. Quoi, Dudu ? Il y a des choses de fumée là. Ouais, j'ai une boule énorme d'Undergo qui flotte dans les airs. Ah, j'ai nausé. Bon. Bon, on retourne dans le nord. Ouais, on retourne au nord. Ouais. Bah, attendez, je suis à 2000 blocs, je vais faire un TP et puis je vais... Ah bah... Ah ouais. Ah, je suis peut-être un peu... Ah oui, Chaos Guardian. Mage. Ah, Chaos Guardian, c'est autre chose, ça. Mais c'est bah, mage. C'est mage. Moi, ça fait pas. Tu te laisses tomber comme ça. Tu sprints, puis après tu appuies sur la barre d'espace. C'est quoi? Barre d'espace. Spellrite. Vous êtes où, vous, au fait? Qu'est-ce que c'est que ce bloc? Près du chaos, là. Il y en a plusieurs différents, avec Stardust. Je fais un TP. Avec Daft. Parce qu'il y a des crafts avec. Et pourquoi t'as eu l'achievement, t'es pas moi? Pète celui qui brille. Je l'ai pas vu, moi. Celui-là, là? Ouais. Bah, je l'ai vu aussi, mais j'ai... Bah si, t'as eu l'achievement. Ah non. Tout le monde. Bah non. Bah, je te vois sur en plus que j'ai pas eu. Alors. Magic of Decomposition. Ça y est, tu vas disparaître. Bizarre. Je suis à... Oui, c'est juste ouais. Sneak. Je suis à 220 blocs de haut. Ah oui, effectivement, je suis à 100. Retournez en zéro, retournez au lover ou quelque ah, part. Ah mais sérieux mais... Je vais tous vous TP, j'ai fait un point de spawn. Ok, bon bah retour au sud. Bon bah allez go. Ah merde. Bah attends, je suis en mode... En sneak. Moi c'est bon. Put. Voilà. Ah, la petite plateforme d'obsidienne. Mmh. Ah oui. Il y a quelque chose. C'est du caillou. À l'attaque. À l'attaque. Il est en bas. Hein. Ah, il est en dessous. Il est en dessous. Je me suis mis en hauteur. On est tous là. C'est parti. Je sais quoi tous ces mini blocs. Je sais pas. C'est quoi. On descend. Je vois pas le bloc. Trop bizarre. Ah, c'est la plateforme. Oh putain, on va se faire racner les gars. Ah, moi, alors, je vous annonce, ah ouais, tous ceux qui ont une armure Project E, on risque de peut-être se faire rect en genre one shot. Oh la vache. Ah, il est sympa ce biome. C'est possible. Oui, bon, bon, du coup, on y va. Ah, mais moi j'y suis. Cool, c'est quoi Burnett Einstein? Oui,
C'est quoi, oh, c'est quoi ces gros trucs là? Des haunted miners. C'est quoi ces machins? C'est des mineurs. Mais c'est pas le Chaos Guardian, c'est pas une Chaos What? Si si, on l'a. C'est quoi l'a ces mobs? Ah bah il est mort. Mais c'est pas là. Hein. Elle ressemble pas du tout à ça. Hein. Oh. Il est où votre non, dragon non, là c'est... Vous êtes plantés les gars. Y a pas de dragon là. On est à 10 ah, attends. On l'a vu. Je l'ai vu et il s'affichait. Dans... En haut. Attends, faut que je me mette juste à la bonne autre. Là, c'est pas mal. Comme... Il y a ici des genres de golems ou je sais pas quoi là. Ouais, t'as vu. C'est sympa. Trouvez. Où ça vers... Hop, il est là. Vers le nord-est. Nord-est. Ouais, nord-est. Ouais. 000, nord-est. Oh, nord-est. Ah ouais. Il fait mal, hein. Il fait mal, hein. Oh la vache. Alors les gars, si vous voulez. Ah bah non, ça va, ça nous fait rien. Ah, ça vous fait rien. Oh la toque. Ça, eh, oh, y en a qui me touche avec une flèche, je les trip, je vais même pas m'en approcher. Le eh, mais il va super vite. Ah, il est infâme. Hein. Votre attaque est infâme. Bloqué par les cristaux de gardien. Oui. Faut les casser, ça. Aïe. Faut les casser. Aïe. Faut les casser, mais j'arrive pas. Oh. Ah. Oh. Wow. Oh, la première morte. Oh, mais tu fais comment pour les casser, les trucs là? T'as pas l'épée. Ah, l'épée, ouais. À l'arc, ça marche pas. À l'arc, non, il me semble pas. Ça, J'ai mouru. Quand il y a un rayon, c'est que tu peux pas le casser. What? Ah bon? Ouais. C'est mis en protection, tu peux pas le casser. Je vais pas pouvoir revenir. What? Vache. Oh la vache. Oh la vache. J'arrive pas à le péter, ce truc là. C'est bon, zéro. Hey. Pourquoi je ripop dans l'étoile d'araignée au spawn? Ah, parce que t'as pas redesign. Aïe. Oh mon dieu. Il est contre moi. Je vais mourir. Ah. Et j'ai pas réussi à péter les tours. Hein. Moi j'en ai cassé une. Ah, moi j'en ai cassé plusieurs. J'ai pas réussi. Et après je suis mouru. Oh, mais il fait tellement mal. Oh là 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 là. Non, oh attends, putain, ce truc commence à me faire mal là. Oh, oh. Ah bah j'ai bien fait, je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai bien fait. Mais... Mon dieu. Ah, je peux pas remettre l'horreur, ce boss. Putain, du coup, j'ai plus de stuff. Ouais. Bah ouais, moi non plus, j'ai plus rien du tout. Hein. Oh là là. KO, on est les survivants. Hein. Non, non, je reviens. Ah, bah tuez-le et retrouvez-nous. Ah bah non. Je serai le dernier. Non, Nico, j'arrive. Ah, il fait mal! Il... Ah! Ah oh, oh, putain! Bon, bah, on est tous morts! Voilà, c'est le GG! Bon, on ira. On y retourne! Mais arrête de dire que je fly! Ah, bah, maintenant on va aller chercher tous notre stuff qui est resté dans nos tombes. Si on peut. Ah ouais? Et là, tu peux aller tout récup! Oui, ça a été plutôt l'enfer. En même temps, s'attaquer à un dragon de ce type-là, faut vraiment être taré, surtout quand on n'a pas l'équipement nécessaire. Il est vrai qu'avec, je me dis, avec la gemme armor, ouais, vas-y, pourquoi pas, on va essayer. Ouais, ça n'a pas suffi. Alors, comme on peut le voir, j'ai des cœurs verts. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on a pu se crafter les Green Earth Canister.
Donc pour ce qui est des dragons, le dragon, donc le Chaos Dragon, Phoenix et Alcazim se sont chargés parce qu'ils ont réussi à se faire l'autre armure de Draconique, parce que ça c'est l'armure de Draconique, hein, je me le suis faite, elle est chargée à fond. Elle est sympa, d'ailleurs on va la porter pour voir. Hop. Elle est sympa comme armure quand on est bien... Enfin quand elle est chargée on est protégé de quasiment tout. Sauf que physiquement je l'aime pas. Enfin c'est que moi hein, mais... C'est con, mais vous voyez que ça, comme armure, c'est carré. Moi, ça me va. Ça, il y a trop de détails sur l'armure. Elle est stylée, hein. Elle est stylée, mais il y a trop de détails. Du coup, j'aime pas trop. Bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressusciter un dragon. Parce qu'il va me falloir il va me falloir le cœur de dragon. Pardon, on va y arriver. Alors, on va se rendre sur Draconique. On va regarder comment ressusciter un dragon. Déjà, pour le ressusciter, il nous faut... La Resurrection Stone. Et la Resurrection Stone se craft comme ceci. Donc du Mob Soul. Peu importe, toi il est marqué en violet Eddie. Ça veut dire n'importe quel Mob Soul fera l'affaire. Ici il nous faut des Wyvern Core. Qui se craft avec des Draconic Core, une Nether Star et du Draconic Ingot. Donc ça se craft comme ça, hein, le Draconic Core. Très bien. Et il nous faut un bloc de Draconium. Le bloc de Draconium il se craft comme ça. Justement, j'ai de quoi en faire. On va s'en faire un seul. Pour vous montrer quelque chose. Pour ce qui est des crafts, je viens de vous montrer comment faut faire. Hein. Une fois qu'on a notre bloc de résurrection, il nous faut 4 blocs chargés de draconium. Donc en gros, moi je les ai ici, mais je vais vous montrer comment on les charge. Donc 9 lingots de draconium, boum, on le met dans cette machine, l'énergie infuseur. Donc cette belle machine avec des ailes de dragon. Qui se craft, pouf, comme ceci. Avec un particule générateur. Voilà, très simple à faire, on a vu le craft. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oups. Donc on va mettre le bloc de draconium. Évidemment il faut que ce soit chargé en RF. Et il faut lui balancer dans la tronche. Alors que je compte, je crois que c'est 100 millions de RF. Il faut lui balancer 100 millions de RF. Ou alors 1 milliard. Attendez, je compte les zéros. Tac. Tac. Ouais, 100 millions de RF. Alors moi étant donné que j'ai beaucoup d'énergie, ça va assez vite, hein, j'ai plutôt un bon buffer. Donc là dessus pas de problème. Et boum, j'ai mon bloc de draconium chargé. Alors j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà. Et sur moi j'ai déjà les blocs de Resurrection Stone, j'en ai 3. Il va nous falloir du quartz, il va nous falloir de la glowstone. Donc nos blocs de draconium. Il va nous falloir aussi du diamant. Il nous faut 4 blocs de diamant qu'on va ranger ici. Et il nous faut aussi de l'obsidienne, mais c'est déjà sur place. Donc on verra après. Pour ce qui est des cœurs de Tinker, je vous avais dit que les cœurs de Tinker, on les a pas techniquement. En tout cas le mode Tinker Construct ne permet pas de les avoir. Ça n'a pas été implémenté dans le mode. Sauf que nous on a créé un craft pour pouvoir les utiliser. Donc on va les voir. Déjà il nous faut le cœur vert. Pour crafter le cœur vert c'est simple. Il nous faut un cœur de dragon. Voilà. Et des cœurs jaunes. Ce qui nous permet d'avoir un cœur vert. Et ensuite bah, pour créer le Green Earth Canister, on a décidé d'utiliser une Nether Star, donc le cœur vert, et le Yellow Earth Canister. Donc en gros voilà, il faut avoir le Yellow Earth Canister, donc il faut avoir d'abord le rouge, etc., etc. Donc il nous faut quand même pas mal de choses assez chères. Mais je me suis tapé plusieurs dragons pour pouvoir justement, bah je me suis tapé 10 dragons exactement pour pouvoir me faire mes 10 Green Earth Canister. Mais pour terminer l'épisode ensemble, on va quand même se faire un dragon. Bon d'ailleurs on va se lancer directement pouf dans le Stronghold. Donc voilà, Stronghold que j'ai entièrement aménagé à la va-vite, en une heure il a fallu que je fasse ça. Donc voilà, c'est quasiment que le même bloc, c'est que du quartz de Botania. Je me suis dit que ce quartz était sympa vu que je l'ai découvert en faisant le Botania. Donc voilà, voilà, on va pas traîner. Nous voici dans l'End. Alors l'End par contre il est ravagé parce que nous sommes dans l'Hardcore Ender. Et bah comme on le sait, hein, les blocs d'obsidienne sont complètement détruits parce que quand le dragon passe, je vais vous montrer d'ailleurs quand on va réussir à y aller. Toi tu me gênes mon pote. Voilà. Ok. Oh, il m'a donné pas mal de bouboules. Tic tac boum. Hop, on va dégager ça, ça. Et on va récupérer tout ce qu'on a besoin. Donc, alors pour savoir comment on fait, je crois que le bouquin je l'ai laissé là-dedans. Ouais, il est là-dedans le bouquin. On va l'ouvrir. Alors, Adex. Et on va se rendre. On va descendre entièrement. Et on va regarder dans Rituel. Voilà. Et ici, il nous montre exactement comment il faut faire. Donc, on va le faire. Donc, il faut qu'on place nos blocs de glowstone ici. Il faut qu'on place un
de là, 1, de là, 1, de là, 1, et de là. Ensuite, dans les plus petits, on va mettre le diamant. Alors, ça coûte cher, hein. Ensuite, le bloc de draconium chargé. Voilà. Et pour finir, le bloc de Resurrection Stone. Très bien. Et on a juste à faire un clic droit et attention à vos oreilles. Et là, la magie opère. Donc évidemment, quand le dragon va être ressuscité, ça va faire respawn tous les cristaux de l'end. On peut voir que les orages tombent directement sur l'obsidienne, donc ça va être recréé. Je me suis fait une arbalète. Pas encore tout à fait au point. Elle n'est pas si puissante que ça. Mais voilà, dès que ça spawn, moi j'explose ces trucs-là. Comme ça, j'en parle plus. Raté. Faut bien viser. Hop, hop. Alors je vais pas péter ni celui-là, ni celui-là, tout simplement parce que ça pourrait casser la plateforme pour ressusciter le dragon, quoi, vous m'avez compris. Mais on peut péter les autres. Voilà. Ça a l'air d'être bon. Alors oui, avec un corps. Ah oui, alors quand on pète les piliers d'obsidienne, t'as tous les Endermen qui viennent nous voir. Ça, c'est Hardcore Ender qui fait ça. Voilà, merci les Endermen, cassez-vous. Dégage, merci. Donc avec Hardcore Ender, les piliers s'effritent. Les piliers balancent de la TNT. Donc ouais, ça fait un sacré bordel. L'end il est complètement dégueulasse. Voilà, donc là nos blocs ont disparu. On peut voir que là les blocs de diamant, voilà, ils sont arrivés là-haut. Alors là on le voit pas tellement. Ah, c'est dommage, on voit plus les particules. Normalement juste au-dessus il y a les particules vertes qui sont là pour respawner le dragon. Donc une fois que ça a disparu, ça on peut balancer la TNT, on s'en fout. Voilà. No problemo. Et le dragon va respawn d'ici peu. Normalement par là. Ah, mes oreilles. Voilà. Il est là. Nope. Tu m'auras pas. Alors pour ce qui est du dragon, on peut voir qu'il a des particules violettes. Donc il a des particules de régénération. Donc j'aurais beau le taper. Tu vas l'enchaîner comme ça, j'aurais beau l'enchaîner. Ça sert à rien pour l'instant. Faut attendre un petit peu, donc on va attendre un petit peu. En attendant, toi tu vas dégager. Dégage, dégage. Dégage. Et quand on a pété le dragon, on a quand même de bonnes récompenses. Hein, vraiment, faut... Donc on va se mettre à voler, on va ranger un peu toutes les saloperies que j'ai récupérées. Voilà. Alors, ça devrait aller là? Non, toujours pas. Bon, ça devrait le faire, là. Ah, voilà. Là, il commence à perdre de l'énergie. Donc, avec mon arbalète, je l'enchaîne. Elle est pas très puissante, mon arbalète. Je sais que celle de Phoenix ou celle d'Alkazim, deux flèches, ça suffit pour le tuer. Donc, ils ont des arbalètes bien bourrines. Justement, j'ai essayé d'en faire une. Et j'ai pas trouvé les bons ingrédients pour faire, en fin de compte, ceci. Les bolts, donc moi j'ai pris des bedrockium, ce qui est un peu con. Faudra que je m'en fasse d'autres. Par exemple des enderium, faudra que j'essaye pour voir. Mais voilà, donc ça suffit pas pour tout shot le dragon. Mais ça suffit pour le mettre mal, hein, et même sans bouger je peux le tuer. Hein. Et vu que j'en ai beaucoup des bolts, hein. Tiens, vas-y, viens. Ah, viens là. Ouais. Mon épée fait techniquement plus mal. Hein. On va le laisser revenir. Tranquillement. Et ce qu'il y a de cool avec Hardcore Ender, c'est que il y a énormément de biomes dans l'end. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Tac, vas-y, viens, viens. J'ai pas peur de toi, dragon. J'ai peur de ton jumeau. Le chaos. Voilà, il est mort. Donc là, boum, on récupère le cœur qu'il a drop. On peut voir qu'il y a pas mal de draconium dust qui sont popés. On va les récupérer. Sans oublier notre petite dose d'XP. Voilà. Donc j'avais 0 d'XP technique. Ah oui, j'avais 0 d'XP quand je suis arrivé, sauf que j'avais tué quelques Enderman. Donc ouais. On se met bien. On se met bien. Très bien. J'ai mon cœur. Ça fait plaisir. Donc on peut voir que j'ai récupéré quasiment 3 quarts de stack de Draconium Dust. Donc pour avoir 3 quarts de stack de Draconium Ingot. Du Zivicio, 5 cœurs jaunes. Ça, ça fait carrément plaisir. Parce que ça m'a aidé grandement pour aller plus vite dans la création des cœurs verts. Et du coup, bah voilà comment on ressuscite un dragon.
Donc, on va se rendre à la maison, je vais chercher un commentaire et puis on va s'arrêter là pour cet épisode qui me semble déjà pas mal. Voilà. Bien installé dans mon fauteuil, nous allons lire le commentaire de l'épisode. Non. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai arrangé là. Avec les autres commentaires. Mon dieu. On va cliquer là. Voilà. Très bon épisode, c'est cool que tu prennes le temps de bien expliquer. Wabla24. Merci pour ton commentaire. Justement, j'ai pris ton commentaire parce que j'aimerais qu'on réagisse là-dessus. Il y a... Je sais plus à quel épisode on m'avait dit ça. Ou alors c'était en live, je sais plus. Mais on m'avait dit justement que j'expliquais plus vraiment bien les modes par rapport à la saison 2. La saison 2, je prenais quand même pas mal de temps d'expliquer certaines choses. Ah oui, alors la ceinture que j'ai, c'est la ceinture de Botania au passage. Hein. Si je l'enlève... Voilà, je l'ai plus. Hop. Clac. Donc ouais, on m'avait dit que j'expliquais beaucoup moins les choses par rapport à la saison 2. Et bah, j'ai décidé d'essayer de changer la donne. C'est pour ça que j'ai fait un épisode de Botania. J'avais envie d'explorer ce mode-là depuis un moment. Et vu que je commençais à bien connaître le mode, je me suis dit, allez, vas-y, c'est parti pour faire un épisode pour essayer d'expliquer les choses. Et c'est pareil pour les dragons. Là, on a fait un épisode multi, donc j'ai fait l'effort quand même d'essayer de vous expliquer comment ressusciter un dragon. Il y a pas mal de choses à voir avec Draconic Evolution. Donc on essaiera de les voir aussi. Mais prochain épisode, techniquement, on devrait continuer un petit peu Botania et essayer de se faire le Gaia Spirit. Enfin, le boss de Botania, quoi. Et il me semble qu'il y a deux boss. Vite fait, on va vérifier ça. Est-ce que j'ai encore le bouquin de Botania avec moi ? Viens là, toi. Nope, je crois que je l'ai rangé. À moins que je l'ai gardé sur moi quand je me suis fait le boss et que du coup, je suis mort. Ouh, je vais pas très vite, là. Remets ça, voilà. Tellement l'habitude d'aller vite maintenant. Ouvre-moi les portes. Ok, cool. Donc, tu ranges ça. Bota. Il est là. Est-ce qu'il y a les deux boss dans ce mode-là? Ouais. On a Rutile of Gaia et Rutile of Gaia 2. Donc on fera celui-là. Il faudra qu'on se crafte ça. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour le crafter. Et qu'on positionne ça comme ça. Et ensuite on se fera le boss. Et Rutile of Gaia 2. Est-ce qu'il y a besoin... Ouais, il faut faire des Gaia Spirit. Sprit ingot. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, faudra que je lise un petit peu comme on fait. Mais bref, du coup on fera ces boss là pour le prochain épisode techniquement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. N'hésitez pas à le partager parce que mine de rien je suis mort plus de 80 fois. Sur ce je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt. Bye.